Bonjour et bienvenue à ce 12e chapitre. On va parler plugin avec Lightroom et on va parler d'un plugin qui s'appelle Analog FX Pro 2 de la suite Neak Collection qui appartient à Google. Pourquoi on en parle? Parce que c'est devenu gratuit. Google a décidé de rendre cette suite gratuite. C'est pas forcément bon signe, hein. Ça veut dire qu'elle sera sûrement plus maintenue, en tout cas plus maintenue dans l'état actuel. Mais en attendant, elle est gratuite, donc autant en profiter et voir un peu ce qu'on peut faire avec. Je vous avais déjà expliqué dans d'autres chapitres comment appeler ces plugins à partir de Lightroom ou de Photoshop, donc allez voir cette partie-là. Mais là, on va se concentrer plus sur le plugin lui-même. Alors, le plugin, comment il marche? Des presets ici sur la gauche, où on peut d'ailleurs en rajouter, hein, et ici des effets sur la droite. Alors, vous allez choisir ici, par exemple, un type d'appareil. Je ne sais pas, je vais prendre un appareil photo bon marché. Et là, j'ai toute une série de presets, d'accord, qui sont prêts. Je vais prendre celui-là. Et là, il vous fait le changement. Voilà. Et là, il a utilisé différents effets qui sont le réglage standard, la distorsion, le zoom, le vignettage, le type de film. Mais si je prends un autre appareil photo, je vais prendre par exemple ça, et je vais prendre celui-là. Vous allez voir que là, il y a d'autres choses. Là, il a rajouté plaque photographique, saleté, rayure. Donc en fait, vous avez une collection d'effets. Ici, vous en avez, alors ils sont là, hein, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous en avez 14. Et les presets, en fait, utilisent plus ou moins la totalité, de ces effets avec différents réglages. Alors, ce qu'on va regarder, c'est les effets eux-mêmes. Les presets, ben, vous vous promènerez, hein. C'est-à-dire que vous allez là, vous choisissez un type d'appareil et vous choisissez un type de preset, ici, imaginons celui-là, et le truc s'applique, d'accord? Donc on va aller voir un peu, on va aller voir un peu tout ça et comment ça marche. Alors pour voir, on va simplement les choisir un par un. On va voir ce qu'on peut faire avec. Réglage standard, on est dans du tout courant, donc là c'est extraction des détails, on a déjà vu ça sur d'autres plugins, c'est pour donner plus de détails à la photo, luminosité, ok, contraste, saturation, tout ça je vous apprends rien, c'est vraiment du réglage standard, c'est le cas de le dire, mais vous avez le point de contrôle. Le point de contrôle, ça vous permet de rajouter par exemple de la luminosité ici. C'est un peu comme le filtre radial, ce qu'on appelle les U-Points ici chez Neak Collection. Mais donc, vous voyez, vous pouvez sur cette zone-là rajouter de la luminosité, du contraste, le baisser. Donc, vous avez comme ça la possibilité de régler plus finement votre image. Tous les effets n'auront pas les points de contrôle, mais quand il y a le point de contrôle, on peut faire quelque chose avec. Donc là, je vais effacer ce point de contrôle. On était sur le réglage standard. Donc, je vais arrêter le réglage standard. Je vais prendre ici. Donc, il suffit de faire plus. Ici, vous allez sur l'effet et vous faites plus. Voilà. Donc là, je suis dans la distorsion de l'objectif. Donc convexe ou concave. C'est des choses qu'on connaît également, qu'on corrige d'ailleurs souvent avec Lightroom. Et là, vous voyez, j'ai du vert là qui est là parce que j'ai de l'aberration chromatique qui a été rajoutée. Donc là même qu'on essaye de faire partir avec Lightroom, ben là, on peut la rajouter. Et on peut même changer sa couleur. Vous voyez, je peux prendre ici du jaune et du bleu. On peut ensuite décider de rendre l'image un peu floue, comme si le focus n'était pas fait au bon endroit. Et on le fait là, de la même manière. Donc, ça, c'est tout ce qu'on essaye de corriger. Ben là, vous pouvez le rajouter. Le bokeh, c'est un flou. Donc, vous avez une zone au centre qui va être nette. Vous avez une zone de transition. Et ensuite, à l'extérieur, ça va être flou. D'accord? Vous pouvez ensuite bouger cette zone. Vous pouvez ensuite choisir l'intensité du flou. D'accord? Donc, vous pouvez le rendre très flou si vous voulez. Et là, ici, vous allez choisir la forme du flou. Alors, on va pouvoir le voir, là, vous voyez, sur le E ici, qui est là, en fonction de la forme que je choisis là, et là, c'est un peu différent. C'est devenu un peu justement plus droit. Ici, vous voyez, on peut changer comme ça la forme du flou grâce à ces motifs-là. On peut même aller un peu plus loin puisqu'on peut tourner, si je vais là-dedans, vous voyez, on peut tourner comme ça. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir changer un peu la forme du flou, et on le voit changer. Et là, c'est pareil. Suivant l'ouverture que vous allez mettre, la variante d'ouverture, eh ben, l'étoile va être plus ou moins marquée. D'accord? Donc ça permet de faire ça. C'est pas forcément un flou rond, puisque ici, on peut choisir, et on a un flou qui est droit. Donc c'est un peu comme le filtre radial et le filtre dégradé.
Et on peut ici choisir soit ce truc-là, soit en rond. OK. Zoom et rotation. Alors ça, c'est l'explosoom. Alors je vais arrêter le bokeh, je vais arrêter tout ça, hein. Ça, c'est l'explosoom. C'est-à-dire, vous savez, quand on fait une pause longue et en même temps, on bouge avec le zoom. Donc là, c'est un peu le même concept. Donc c'est-à-dire que vous pouvez ici protéger ou pas le centre, hein. Donc ça, c'est la taille. Vous pouvez le faire ici directement à l'image. D'accord? Et ensuite, vous avez l'intensité du zoom. Ici, donc ça, c'est la zone de transition. Et ensuite, vous avez un truc en plus qui est l'intensité de la rotation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tourner votre objectif en même temps que vous faites votre explosion. Il faut être volontaire, mais c'est possible. On a ensuite le flou directionnel. Donc, je vais arrêter l'explosion. Le flou directionnel, c'est simple, c'est vous avez une direction ici, hein, avec le flou. Tout simplement, donc le flou prend une direction. Et ici, vous pouvez, pareil, choisir les tailles des différents éléments. Flou directionnel, bien, double exposition, ça, c'est quand on mettait deux photos sur une. C'est-à-dire qu'on n'avançait pas le film et on prenait une deuxième photo. Alors, je vais aller chercher une deuxième photo. Je suis allé chercher une photo du lac d'Annecy. Et là, vous pouvez choisir. Alors, l'exposition, ça, c'est l'exposition générale de l'image. Et ensuite, vous pouvez choisir est-ce que j'ai une des images ou est-ce que j'ai l'autre. D'accord? Donc ça, c'est relativement simple. Ensuite, on va aller prendre les fuites de lumière. Fuites de lumière, c'est qu'on avait des appareils photo qui n'étaient pas très étanches et la lumière passait à l'intérieur et faisait des traces sur les films. Donc là, on a différents types de traces. Vous voyez, des traces dynamiques. Vous pouvez ensuite déplacer où sont ces traces, comme ça. Vous pouvez le bouger. Vous pouvez choisir l'intensité, j'en ai pas du tout, j'en ai beaucoup. Et vous pouvez ensuite avoir un point de contrôle qui, là, va vous permettre de retirer l'effet à certains endroits. Puisqu'en fait, là, on est dans de l'application de texture. C'est des choses assez courantes. Mais voilà, c'est de la texture, mais là, de la texture qui représente une fuite de lumière. OK? On va aller dans les saletés et rayures. Donc, on va virer les fuites. Saletés et rayures, ben c'est pareil, c'est des textures. Mais ce coup-ci, des textures qui représentent des saletés qu'on peut mettre en noir ou en blanc. Vous choisissez vous-même. D'accord? Et là, vous avez poussière et peluche, vous avez rayures, vous avez organique. Ça, c'est quand on avait des champignons ou ce genre de choses. Donc là, on pouvait avoir des choses plus ou moins sales. Et on les voit apparaître là, ici, au centre. Pareil, le point de contrôle vous permettra de retirer l'effet sur une certaine zone. Plaque photographique, on est toujours dans de la texture. Donc là, c'était des plaques en métal qui pouvaient laisser des marques sur les photos. Donc, vous voyez, ça fait ce genre de choses. Donc là, pareil, on est sur de la texture et on a ici le point de contrôle qui permet d'en avoir un peu moins à un endroit. Si j'en veux pas, par exemple, sur le haut du R, là, vous voyez, je mets comme ça, et je dis que l'intensité va être moindre, et vous voyez qu'elle disparaît ici au niveau du R. OK? On peut réduire la taille, hein, de ce cercle, ou l'augmenter. Donc là, si je fais ça et que j'augmente, l'effet disparaît sur une zone plus grande, et là, sur une zone plus petite. OK? Ensuite, on a vignettage de l'objectif. Alors là, c'est du tout courant, hein. La quantité de vignettage, noir, clair, est-ce que je suis en cercle ou est-ce que je suis en carré? Quelle est la taille du vignettage? Donc là, c'est totalement standard, on a déjà vu ça dans Lightroom, c'est le même concept. Ensuite, j'ai le type de film. Donc le type de film ici, j'ai des films chauds, des films froids, des films noir et blanc, avec des tons noir et blanc. Donc là, vous voyez, on peut changer comme ça le type de film et on peut ensuite ici dire que c'est neutre ou est-ce que j'ai un fondu plus important avec la couleur là qui est un peu jaunâtre, l'intensité de l'application du truc. Bon, là il faut faire mumuse, hein. Le grain aussi, je peux rajouter du grain doux ou dur, vous choisissez, il y a différentes options. Multi-objectif, c'était des appareils à plusieurs objectifs qui divisaient l'image en plusieurs choses, donc là c'est pareil. On peut dire est-ce que ce que j'ai entre est clair ou pas. Je peux choisir la couleur. Je peux choisir l'intensité de la variation entre les images. Je peux ensuite dire le type de variation que je vais avoir entre les images. Donc là, c'est pareil. Il faut jouer un peu avec.
Vous pourrez trouver sûrement des applications intéressantes. Je vais virer le type de film d'ailleurs, puisque c'était le type de film qui faisait cette partie sombre. Ensuite, j'ai les cadres. Donc, bah, les cadres, c'est pour encadrer l'image. Donc, vous pouvez encadrer avec des vignettes qui vont ressembler à un négatif photo, et ce genre de choses. Ou comme ça, on peut choisir l'échelle, et plus grand ou plus petit, de l'application du truc. Et là, c'est pareil, vous avez les vignettes, ou vous avez par exemple blanc. Donc, je vais choisir un cadre blanc comme ça. Et donc, j'ai un cadre blanc un peu sale. Ça peut être sympa dans certains cas. Le dernier, c'est niveau et courbe. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues sur Lightroom. C'est le même concept, hein, les niveaux et courbes, c'est ça. On a toujours. Alors, pourquoi je ne le vois pas? Parce que je n'ai pas cliqué sur plus, excusez-moi. Donc, je vais cliquer sur plus ici. Et là, j'ai une courbe. Donc, par exemple, je vais prendre une courbe sur le rouge qui va me changer le contraste du rouge. Voilà, faire quelque chose comme ça. Donc là, c'est pareil, on peut aller assez loin sur les courbes, comme je vous l'avais montré dans le truc de Lightroom. Ensuite, on peut comparer les images, droite-gauche, ou on peut faire les deux images en même temps. Et donc, si je m'amuse à tout cliquer, tous les essais que je viens de faire, l'image à la fin ressemble à ça. Donc, vous voyez qu'on n'a plus grand-chose à voir avec l'image d'origine. Ça fait un effet un peu particulier. Vous avez ensuite la loupe et l'histogramme, ici. Donc là, si je me promène sur l'image, ben, je vais avoir une loupe hein, de ce qui se passe. Okay. Alors, je ne sais pas pourquoi histogramme, il y a sûrement possibilité de voir l'histogramme dans certains cas, mais je ne sais pas comment. Mais donc, vous trouverez comment on fait l'histogramme. Là, par exemple, si ce preset il me plaît, je peux faire plus, d'accord, je vais l'appeler il est super. Et donc maintenant, j'ai un preset, il est super, que je peux appliquer à toutes mes photos, comme j'avais fait dans un test précédent, un preset 8 photos. Je peux importer les presets et j'ai même une notion d'historique qui vous permet de voir tout ce qui a été fait et éventuellement de revenir à certains états. Si je veux aller aux saletés et rayures, par exemple, ici, je peux revenir à celui-là. Donc je vais cliquer dessus. Et là, il est en train de réappliquer tous les différents paramètres. Ça peut prendre du temps, hein, parce qu'il y en a certains. Et il me remet à l'étape où j'étais au niveau des rayures. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ça permet de faire beaucoup de choses. On a les zooms aussi, hein, donc on peut zoomer plus ou moins dans l'image. D'accord. On a ici changé la couleur d'arrière-plan. Blanc, noir, gris. Vous pouvez la changer. Et ici, on peut faire disparaître les différents panneaux sur le côté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça sera un peu pareil pour tous les autres plugins. L'intérêt de la chose, alors moi je ne suis pas très preset d'une manière générale, donc j'aime bien décider moi-même de ce que je fais. Là, très clairement, dans Lightroom, c'est des choses qu'on ne va pas réussir à faire facilement, il faudra utiliser Photoshop. Donc ça peut être, je dirais, si on ne veut pas aller dans Photoshop, ça peut être un outil assez sympa, on veut transformer un truc en vieille photo, ça permet très rapidement de le faire avec toute une série d'outils prédéfinis et en quelques clics, on peut tout à fait changer les photos et arriver à des résultats assez sympathiques. Donc pour vieillir ces photos, oui, pourquoi pas. Je pense qu'on reproduira pas tout à fait le look and feel des vieux appareils qui avaient bah, l'avantage de. Une fuite de lumière n'est pas toujours identique. Donc, mais ça peut, à mon avis, faire illusion dans certains cas. J'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Et puis, on ira comme ça faire les autres plugins de Nik Collection pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on peut faire avec. Voilà, merci, au revoir.